Au programme du Daily de ce 5 juillet, on parle de nouvelles figurines PlayStation, on enchaîne sur Nintendo qui parle d'IA et de développement de jeux plus longs, et on terminera sur la Wii U, officiellement terminée. Le Daily, c'est parti. Bientôt, les joueurs PC vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus grâce à l'arrivée de God of War Ragnarok sur leur machine. Le portage prévu pour le 19 septembre sur PC fait languir les adeptes de la licence, mais avant ça, une petite surprise les attend. Les fans de PlayStation pourront bientôt ramener leur héros préféré à la maison dans une version mini avec une nouvelle collection de figurines. C'est officiel, Sony s'associe à Spin Master, une entreprise spécialisée dans le domaine des jouets, pour lancer une toute nouvelle gamme de figurines inspirées des personnages emblématiques des studios PlayStation. Les figurines mettent en vedette certains personnages phares comme Aloy d'Horizon, Kratos et Atreus de God of War et Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Ces figurines, dont nous vous laisserons juger l'apparence en commentaire, sont d'une hauteur de 15 cm. Elles peuvent être munies de plusieurs points d'articulation allant de 24 à 42 selon la figurine et des accessoires interchangeables. La première figurine dispo en précommande dès maintenant sur le site PlayStation Gear selon disponibilité est la version deluxe d'Aloy d'Horizon. Cette figurine de collection comprend 42 points d'articulation et 12 accessoires différents. Elle est actuellement proposée au prix de 56,40€. D'autres figurines seront dispo en précommande à partir du 15 juillet, toujours sur le même site, pour une expédition prévue en septembre. Attendez-vous à Kratos et Atreus de God of War, Varl d'Horizon Forbidden West et Jin Sakai. Elles seront un poil moins chères, le prix affiché est de 33,60€. Vous aurez sûrement remarqué l'absence de certains personnages iconiques, Nathan Drake par exemple et Ellie. On peut facilement imaginer qu'ils seront proposés ultérieurement si le succès est au rendez-vous. Beaucoup auraient également apprécié la présence d'Astrobot, le héros emblématique de la console qui sera bientôt à l'affiche d'une nouvelle aventure sur PS5. Ça sera peut-être pour plus tard. En tout cas, l'engouement semble pas énorme. Sur X, ex-Twitter, les réactions sont même quasi absentes. On peut par contre prendre la température dans les commentaires de l'article du PlayStation Blog. Sushi Combo par exemple dit que Kratos a l'air bien mal en point quand King Ali trouve que la qualité n'a pas l'air au top et Asmatic419 trouve que c'est juste hors de prix. On attend maintenant votre avis en commentaire. Le manga Blue Box, une romance sportive adorée par ses fans, a trouvé une petite place dans le catalogue Netflix. La série sera diffusée sur le service de streaming en 2024. Le manga est prépublié depuis le 21 avril 2021 dans le Weekly Shonen Jump. La version française est éditée depuis 2023 seulement. Ça raconte l'histoire de Taiki Inomata, membre du club de badminton qui a eu le coup de foudre pour Chinatsu Kano, la star du club de basket de son école. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins et sa relation va prendre un tournant inédit. On se tarde de découvrir cette année sur Netflix et on passe à la suite. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces temps-ci et qui n'est pas prêt de partir. C'est une nouvelle révolution obligatoire pour beaucoup, mais c'est aussi un véritable problème pour d'autres. Dans le milieu du jeu vidéo, l'IA dite générative permet aux programmeurs, scénaristes ou encore artistes d'accélérer considérablement leur travail, et c'est même tout le sujet. À quel point l'IA ne va pas les remplacer. Nintendo vient de donner son point de vue sur le sujet. C'est Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui a révélé la politique de l'entreprise pendant la dernière assemblée générale annuelle des actionnaires. Il dit que dans l'industrie du jeu vidéo, les technologies de type IA sont utilisées depuis longtemps pour contrôler les mouvements des personnages ennemis. Il pense donc que le développement des jeux et la technologie de l'IA ont toujours été étroitement liés. L'IA générative peut être plus créative, dit-il, mais je reconnais également qu'elle pose des problèmes avec les droits de propriété intellectuelle. Selon Furukawa, l'entreprise possède le savoir-faire nécessaire pour créer des expériences de jeu optimales et c'est largement suffisant. Pour conclure et nuancer le propos, Nintendo se dit toujours ouvert à l'utilisation des développements technologiques, mais continuera à fournir une valeur qui ne peut pas être créée par la technologie seule. À côté de ça, vous le savez, les jeux AAA deviennent de plus en plus grands, et si vous vous demandez quelle est la position de Nintendo sur les longs cycles de développement, le président pense juste que c'est inévitable. Furukawa a expliqué que le développement des jeux est aujourd'hui plus long, plus complexe et plus avancé, et que pour y faire face, Nintendo doit continuellement augmenter ses ressources de développement et faire les investissements nécessaires.
Les cycles de développement plus longs de Nintendo cette génération ont inclus le dernier The Legend of Zelda ou encore le prochain jeu Metroid Prime 4 dont le développement a redémarré en 2019. Cette prise de position sur l'IA, ça crée un sacré parallèle avec les autres acteurs du jeu vidéo. A contrario, Microsoft a déjà révélé s'impliquer pleinement dans l'IA générative, notamment pour explorer des idées plus créatives avec des scripts détaillés, des arbres de dialogue, des quêtes et bien plus encore, avec même la possibilité de générer des personnages entiers. Et même son de cloche du côté d'Ubisoft avec Yves Guillemot ayant déclaré en juin dernier avoir besoin de l'IA afin d'avoir la possibilité d'apporter de nouvelles expériences. C'est la date de sortie à noter pour les amateurs de séries policières et de X-Files. Le studio Bureau 81 propose le 22 juillet son premier jeu, The Operator. Ici, le joueur incarne un agent qui utilise des logiciels de pointe pour résoudre des crimes sans jamais quitter son bureau. En gros, quand vos agents de terrain ont besoin d'assistance, c'est vous qu'ils appellent. Votre rôle consiste à les épauler en vérifiant des informations, en procédant à des recherches dans les bases de données, en identifiant des tueurs et bien plus de trucs passionnants. C'est ultra prometteur et si le cœur vous en dit, une démo est proposée sur Steam. Et on passe au dernier sujet. C'est officiel, il n'y aura pas de retour en arrière. Nintendo a mis fin à son service de réparation de la Wii U au Japon en invoquant un manque de pièces. Ce service de réparation, vous le connaissez sans doute, Nintendo le maintient pour tous ses appareils bien après leur commercialisation. Il permet aux utilisateurs de soumettre leur console à Nintendo pour qu'elle soit réparée à l'aide de pièces officielles ou qu'elle soit remplacée. Cette fin de service après-vente au Japon intervient un peu tardivement, en Europe comme aux États-Unis. Le support avait déjà cessé il y a un an déjà. L'an dernier, la société a annoncé que le service prendrait fin lorsque le stock actuel de pièces de rechange pour la Wii U serait épuisé, ce qui est désormais le cas. La Wii U est équipée d'une grande manette qui est non seulement sujette à des problèmes, mais qui n'a jamais été vendue séparément de la console. Et ça signifie que les stocks de la manette deviennent de plus en plus limités au fil du temps. Quelques mois avant, on apprenait aussi que le jeu en ligne sur la Wii U fermait ses portes. C'était la deuxième étape du processus. Nintendo avait déjà fermé les e-shops de la console en mars 2023, mais les joueurs ont pu utiliser la console en ligne jusqu'en avril. Au total, la fermeture des shops de la Wii U et de la 3DS l'an dernier a entraîné la disparition définitive d'environ 1000 jeux en version numérique. Ça, pour les fervents supporters de la conservation des jeux, c'était déjà un sacré coup dur. Ça signifiait également la fin des dernières consoles à prendre en charge le service Virtual Console. Désormais, les seuls jeux rétro fournis par Nintendo sont ceux dispo sur les différentes applications de Switch Online. Bref, ça fait pas mal de joueurs en deuil cette semaine. Beaucoup considèrent la Wii U comme un échec commercial. Elle n'a en effet jamais rencontré le succès, devenant même la console la moins vendue dans l'histoire de Nintendo, avec 13,56 millions d'unités écoulées dans le monde. Mais elle a quand même une place spéciale dans le cœur des joueurs. La console était un croisement entre la Wii et la Nintendo DS, le pas de la Wii U servant de précurseur à ce qui allait devenir la Nintendo Switch. La Wii U a quand même été capable de faire tourner le très acclamé The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est aussi la seule console sur laquelle les fans peuvent jouer à Xenoblade Chronicles X et Star Fox Zero, bien que de nombreux jeux de la Wii U aient fini par être transférés sur la Switch. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs souvenirs avec cette console qui prend sa retraite. Le délice c'est fini, maintenant place au sondage. Hier, on vous demandait quelle adaptation ciné ou série vous attendez le plus. Résultat, 40% votent pour l'adaptation de God of War, 25% préfèrent Metal Gear Solid, 15% ont choisi la licence Horizon, et il reste 10% pour Watch Dogs et 10% pour Borderlands. Nouveau jour, nouvelle question, avez-vous possédé une Wii U? On attend votre réponse au sondage dans l'onglet commu de notre chaîne YouTube, et nous on vous dit à lundi pour un prochain daily. Ciao!